Historiquement, le cirque de l'Essonne, c'est un ancien méandre creusé par la rivière qui va lui conférer des particularités de coteaux et de plaines alluviales. C'est un espace naturel qui a la forme d'un hémicycle qui appartient à trois communes qui sont Villabé, Corbeil-Essonne et Élis. Et donc c'est un espace de 130 hectares. C'est un cirque qui est bordé par des habitations puisque à l'époque des moulins d'herblé sur Corbeil-Essonne, les ouvriers habitaient en bordure du cirque de l'Essonne dans des meulières. L'intérêt, c'est que très tôt, il sera voué à l'agriculture, à une production nourricière par des vergers et des vignes sur les coteaux et la plaine dévouée à la production céréalière et maraîchère. Dès les années 80, les communes vont acquérir les terrains. La partie agricole restera agricole, mais toute l'autre partie va être abandonnée et sujette au mitage. On avait des populations qui avaient squatté, qui avaient créé des jardins familiaux, mais qui n'étaient pas organisés. Donc avec Grand Paris Sud et avec le CIARS aussi, nous avons depuis 2 ans entamé des travaux importants, des travaux d'Hercule, puisque nous avons évacué 900 tonnes de déchets. Donc vous imaginez, ces déchets ont été sortis, trier, puisque nous avons l'obligation de les trier. On a découvert aussi 90 puits, donc on a été obligé de les baliser pour éviter que des enfants ou des personnes tombent à l'intérieur. En 2015, il y a un alignement des planètes parce que les trois communes se retrouvent au sein d'une même communauté d'agglomération. Et là, ça va donner une impulsion nouvelle. En 2018, nous avons protégé le cirque, c'est-à-dire que nous l'avons classé en zone naturelle sensible, ce qui n'était pas classé en zone naturelle sensible. Donc depuis 2018, le cirque est vraiment protégé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une reconquête, une opération d'envergure, un cofinancement avec l'État, la région, le département et l'Agence de l'eau. Une volonté politique se fait jour. Et on décide un programme d'aménagement, de revalorisation et d'aménagement du cirque de l'Essonne. C'est une grande victoire pour à la fois aussi les communes, mais les associations qui militaient depuis une trentaine d'années pour que le cirque soit protégé. Pour nous, donc, c'est la prise de conscience que nous avons un enjeu formidable au titre de la biodiversité et au titre d'une agriculture nourricière. Ça sera également pour les habitants un lieu de promenade. Donc nous aurons à la fois un lieu de promenade, un lieu de projet pédagogique avec les écoles. Le bénéfice pour la population, c'est effectivement une possibilité de se reconnecter à la nature et de pouvoir avoir cet espace pour se détendre. Le deuxième enjeu, je dirais, c'est qu'il y a toute une zone qui va être préservée essentiellement et dédiée à la préservation et la conservation de la biodiversité. Et puis le troisième enjeu, c'est le développement de l'agriculture, le maintien de l'agriculture, d'une production agricole de proximité, dans l'idée en fait d'alimenter les circuits courts de distribution. Nous avons 60 hectares qui sont dédiés à l'agriculture et nous travaillons pour faire en sorte que ces 60 hectares s'orientent vers une agriculture bio. En région parisienne, c'est très rare d'avoir une surface de cette dimension alors que tout autour, c'est une zone surconstruite avec énormément d'habitations. Donc là, on protège un poumon vert. Donc ça a des enjeux importants pour l'avenir de notre planète, non seulement pour les trois communes, mais aussi pour la planète tout entière, puisque ça fait partie d'une étape de cette protection. Les habitants des trois communes ne savent pas que nous avons un passé commun qui était très lié. Et là, nous allons retrouver un futur commun sur ce territoire d'avenir.